Bonjour, je me présente, je m'appelle Alex Thomas Njekmam. Je suis entrepreneur et formateur. Je suis aujourd'hui responsable de deux grands projets, l'un qui s'appelle Upgrade Consulting, qui est une plateforme internationale constituée aujourd'hui de trois personnes qui sont Alain Patrizingale, Nelly Tcheko et moi, qui suis aujourd'hui le promoteur au Cameroun, qui est une plateforme qui fait dans les formations en entrepreneuriat, où ici notre objectif en fait c'est de pousser la plupart ou la majorité à pouvoir se lancer en entrepreneuriat et créer eux-mêmes leur propre entreprise. Et l'autre entreprise qui s'appelle Smart Resin est une entreprise qui est spécialisée dans le domaine du revêtement, que ce soit le revêtement sol, que ce soit le revêtement mur. Et si nous avons pour objectif ici d'être des leaders dans le domaine du revêtement où nous proposons plusieurs solutions parmi lesquelles la résine époxy. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le bas âge, j'ai été toujours un enfant qui a été toujours très dynamique et je me suis toujours senti investi d'une mission particulière. Et ce qui a fait que très tôt, j'avais compris en fait que le salariat, même lorsque j'étais à l'université, j'avais très vite compris que le salariat était quelque chose qui n'était pas réservé pour moi. Ce qui fait qu'après l'université, j'ai décidé de démarrer une entreprise. Je me rappelle qui faisait dans l'aménagement et le développement et l'aménagement des espaces commerciaux où il était question pour nous de pouvoir les aménager et de pouvoir mettre tout ce qui avait relatif ici à la publicité de ces espaces-là. Et là, je pouvais m'exprimer parce que ce qu'il faut savoir, c'est que personnellement, j'avais compris que en tant qu'entrepreneur, j'avais la possibilité de pouvoir exprimer mon talent, de pouvoir exprimer ce que j'avais envie d'apporter au monde. Pourquoi? Parce que autour de moi, j'ai toujours eu à voir des gens qui souffraient, des gens qui étaient dans la difficulté. Et quand je regardais un peu de plus proche, je me rendais en fait compte que le véritable problème qu'ils avaient, c'était le système de pensée. C'était des personnes en réalité qui vivaient dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que ce n'étaient pas des personnes qui étaient des créateurs de richesses. Et lorsque je me suis approfondi sur ce secteur, je me rappelle, j'avais 20 ans, je m'étais rendu compte en fait que c'est parce que c'était des personnes qui, à la base, ne savaient pas créer de la valeur. Et vous savez que la majorité des personnes aujourd'hui qui créent de la valeur dans notre environnement ou dans notre société, ce sont des entrepreneurs. Et c'est comme ça que, indirectement, même sans le savoir, je m'étais donné pour mission de devenir entrepreneur, me lancer à mon propre compte, pas pour devenir riche, non, mais pour pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, au développement de mon pays et de l'Afrique et en global du monde. Alors, concernant le MIC, c'est-à-dire le Made in Cameroun, je me suis intéressé très tôt, à partir du moment où je me suis lancé en entrepreneuriat, parce que j'ai participé à plusieurs formations en entrepreneuriat où j'ai été vraiment en contact avec des leaders tels que Claudel Nubissi, Laura Saint et plein d'autres, que ce soit même Karine Andela, où c'est ces personnes que j'ai rencontrées, en fait, qui m'ont fait comprendre la portée de ce que c'était que le Made in Cameroun avant que moi-même, personnellement, je me rende compte, en fait, du problème qu'il y avait concernant le Made in Cameroun. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Made in Cameroun, en fait, c'est ce qui fait tourner le Cameroun. Ou bien, chaque pays, n'importe lequel que soit les États-Unis, peut tourner ou bien peut être les États-Unis parce que à l'intérieur de ce pays, il y a une certaine production locale. Que ce soit la France, il y a des produits qui sont « made in France » et qui permettent ici d'apporter une certaine valeur ajoutée à ce pays, que ce soit au niveau des emplois, que ce soit au niveau même de la création de richesses. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour que nous puissions avoir un téléphone comme celui-ci ou bien que nous puissions avoir un produit, nous sommes passés par trois étapes, c'est-à-dire qu'on a le primaire, on a le secondaire et on a le tertiaire. Sauf qu'au Cameroun, la majorité des produits que nous avons sont déjà à l'étape tertiaire. Et ça fait que nous ne profitons pas de toutes les différentes étapes de richesse que ce produit pouvait amener, que ce soit en termes de travail, que ce soit en termes de rémunération, que ce soit en termes de richesse. Nous consommons ces produits lorsqu'ils sont déjà des produits manufacturés. Alors, ce que je peux dire à ce niveau, tout simplement, c'est que toute personne, que ce soit un salarié, que ce soit un entrepreneur, même si c'est qu'aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas prétendre aujourd'hui consommer totalement Made in Cameroun, parce que ce que je porte actuellement là, ce n'est pas des produits qui ont été faits localement, mais c'est d'être conscient au moins du fait que chaque fois que nous sommes en contact d'un produit Made in Cameroun,
que lorsque nous voyons un entrepreneur ou un individu qui se lance en entrepreneuriat, que nous puissions apporter notre soutien à cette personne, que ce soit en consommant ses produits, que ce soit même en investissant dans cette entreprise-là. Parce qu'il n'y a aucun pays au monde ne s'est développé sans son industrialisation. Et comment est-ce que le Cameroun va se développer si nous-mêmes les Camerounais, nous ne prenons pas cet objectif, nous ne prenons pas cette mission à bras le corps? Parce que nous avons toujours cette tendance à croire en fait que c'est l'autre qui va venir développer notre pays. Or, ça commence par toi, ça commence par moi. Et cela commence à se faire par une attitude consciente que lorsque je m'en vais, quand je m'en vais dans des grandes surfaces, que je puisse mettre en primeur des produits qui sont des produits faits et créés localement. Ou au moins, est-ce que le porteur de projet soit camerounais? Pourquoi? Parce que quand je le fais, j'apporte un plus à cette entreprise-là qui, de loin, pourra aider quelqu'un au village, pourra aider même mon frère ou bien pourra aider même celui qui passe en route là. Pour moi, personnellement, ce que je pense qu'on devrait faire pour pouvoir augmenter la consommation du Made in Cameroun par les Camerounais, personnellement, je crois en fait que c'est changeant complètement les mentalités. Et ici, c'est de voir en fait comment est-ce que nous-mêmes, les Camerounais, comment est-ce que nous-mêmes, nous nous éduquons. C'est-à-dire, cela part de notre système scolaire, cela part même des médias que nous avons, que ce soit la radio, que ce soit la télé, même des entreprises en fait qui touchent directement la population. C'est-à-dire quoi? Ici, il est question qu'on puisse mettre un point particulier sur les pros, la production locale, c'est-à-dire quoi, que ce soit même au niveau même de ce que nous regardons à la télé, que l'État prenne le temps de pouvoir donner l'importance de la consommation ou de la production locale en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des personnes qui ne sont même pas conscients de ce que le Made in Cameroun existe, ou bien ne sont même pas conscients de la portée des gestes qu'ils ont lorsqu'ils partent dans un supermarché et achètent un produit qui est importé. Ils ne sont même pas conscients en fait de l'impact que cela peut avoir. Je me rends compte que la majorité des personnes sont plus portées vers des produits qui sont importés, c'est-à-dire des produits qui ne sont pas produits localement. Pourquoi? Parce que la conscience même qui est en eux est celle que ce qui est fait de l'extérieur, ce qui est de l'extérieur, est mieux que ce que nous avons localement. Et ici, il y a même un certain côté, je peux dire, ici, je vais dire quoi, de proud of me. C'est-à-dire, il a une certaine, le mot m'échappe, une certaine vantardise, si je vais le dire comme ça. C'est-à-dire que quand il consomme des produits qui sont importés, c'est des produits qui sont de meilleure qualité. Or, ce n'est pas le cas. Lorsqu'il le fait, il détruit notre économie. Et je pense que l'État peut changer cela en communiquant un peu plus, que ce soit même dans notre scène d'éducation, comme j'ai dit, qu'on ait des programmes qui puissent encourager l'entrepreneuriat jeune. Je félicite le programme de Laura Sen qu'elle a lancé dernièrement avec la formation des jeunes entrepreneurs, où j'ai vu des petits-enfants où on les apprenait vraiment comment est-ce qu'ils peuvent être des entrepreneurs au bas âge. Et ça, c'est important. Pour moi, ce que je pense que l'État peut faire déjà, c'est mettre une certaine primeur en fait au niveau de la production locale. Premièrement, en diminuant les importations, parce qu'on ne peut pas être dans un pays où même les cure-dents ou les papiers hygiéniques, on se trouve en train de les importer quand au Cameroun, il y a des personnes en fait qui manquent d'emploi et qui eux-mêmes peuvent produire ce papier hygiénique-là. Donc premièrement, diminuer des importations et de l'autre côté, mettre en place des programmes et des accompagnements pour favoriser la production locale. Et de l'autre côté maintenant, qu'au niveau des communications, qu'au niveau de l'éducation, qu'on puisse mettre en place des enseignements qui font naître le mouvement patriotique. Parce que le véritable problème en fait qu'on a au Cameroun, c'est parce que les Camerounais eux-mêmes ne sont pas patriotes en fait. Les Camerounais eux-mêmes ne sont pas conscients de ce que leur attitude peut avoir sur l'économie de leur pays. Et concernant maintenant Smart Resin c'est mon bébé, c'est là où beaucoup de personnes me voient parce que c'est là où je me déploie un peu plus, où je suis le plus visible. Alors Smart Resin, c'est une entreprise qui s'est spécialisée dans le revêtement de sol en résine époxy et dans le revêtement de murs aussi en résine époxy. Mais ce qu'il faut dire, c'est que d'ici l'année prochaine, nous avons pour objectif vraiment d'augmenter notre gamme de produits parce que nous allons avoir d'autres types de revêtements et le but aussi pour nous, ce sera vraiment de se spécialiser dans le revêtement et dans le domaine de l'habitat et l'industrie.
Pourquoi? Parce que ce sont des secteurs en réalité qui souffrent de l'absence de revêtement adéquat et qui répondent aux intempéries que nous rencontrons, que ce soit ici à Douala, que ce soit au niveau de Yaoundé et dans le Cameroun en général. Alors, quels sont nos autres services? Ici, nous voulons vraiment être cette entreprise-là qui va travailler ici au niveau de la personnalisation des locaux, des logements, et que ce soit des entreprises ici en passant par des revêtements adéquats ou des produits de qualité qui vont créer de la valeur ajoutée dans vos bureaux, dans vos industries, que ce soit agroalimentaire, pharmaceutique, établissement scolaire ou universitaire, et aussi de vous apporter des outils en termes de revêtement toujours, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'au Cameroun, nous sommes plus habitués à la peinture pour les murs et les carreaux au sol, alors qu'il y en a plein d'autres types de matériaux, non seulement qui sont plus moins chers, mais qui sont encore plus efficaces. Vous aurez le temps, en visitant notre page Smart Resin, en allant sur nos différents comptes, c'est-à-dire quoi, Smart Resin sur LinkedIn, Smart Resin sur Facebook, mais nous sommes plus présents sur Facebook, vous aurez à voir tous ces différents services dont je suis en train de parler. Alors, concernant Upgrade Consulting, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un projet porté par trois personnes. Alain Patrice Ngaleu, qui est le responsable en Belgique. Nelly Tcheko, qui est ici responsable des activités en France. Et moi, je suis le promoteur au Cameroun. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la vision ou l'objectif que nous avons à Upgrade Consulting, vraiment, c'est de susciter des personnes qui possèdent l'économie. Et il faut le dire que notre cible actuellement, elle est beaucoup plus vraiment orientée vers des Africains. Parce que nous disons que le développement de l'Afrique, le développement du Cameroun passe par les Africains et passe par les Camerounais. Et pour cela, il faudrait qu'il y ait des personnes vraiment qui se lèvent pour dire que voilà, nous allons développer notre continent, nous allons investir dans notre continent et nous allons lui permettre vraiment d'atteindre les sommets. Et maintenant, cela se passe comment? Nous pensons qu'en fait, avant qu'on arrive à l'enrichissement, cela passe par trois étapes. L'être. Parce que pour être riche, pour posséder l'économie, il faudrait d'abord posséder cette économie dans l'être, c'est-à-dire dans notre mental. Savoir que c'est nous qui sommes responsables de pouvoir posséder notre économie. Nous sommes responsables ici de la croissance et du développement économique de notre continent. Et ensuite, cela passe maintenant par le savoir-faire. S'il faille que je développe mon pays, il faudrait que j'ai une compétence. S'il faille que je crée une entreprise, il faudrait que j'ai un savoir-faire. Il faudrait que je sache faire quelque chose. Et c'est cette compétence ou ce savoir-faire que je vais offrir en échange de l'argent, en échange de quelque chose. Et c'est ça le process ou le chemin de l'enrichissement personnel ou de l'enrichissement même d'un pays. Et c'est dans ce processus-là que nous faisons des formations qui permettront à ce qu'on ait des personnes en réalité qui possèdent l'économie, qui possèdent, je veux dire, la richesse, et ainsi qui permettra à ce que notre continent soit un continent ou un pays qui est prospère. Alors, je vais prendre aussi le temps de remercier l'entreprise qui nous filme actuellement, l'entreprise Voodoo, qui travaille vraiment à la promotion du Made in Cameroun, que ce soit au niveau des acteurs, que ce soit des entreprises locales, et aussi vraiment de toutes ces personnes-là qui ont participé à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Je vais commencer déjà premièrement par mes mères, parce que j'en ai deux, et après mon épouse, parce qu'il faut dire que quand on parle des personnes qui ont cru en moi, il s'agit de mon épouse. Et après, vraiment féliciter en fait ces personnes qui travaillent au quotidien vraiment à l'épanouissement et au développement du Made in Cameroun, que ce soit Claudel Nubissi, qui est un entrepreneur que vraiment j'admire énormément, de par son travail, de par la pertinence qu'il peut avoir, que ce soit Laura Sen, que ce soit le Fabrice Fernand Fangwa, que ce soit Ulrich Gegam, que ce soit Laura Sen, toutes ces personnes, Karine Andela, qui travaillent vraiment au quotidien. Il y en a tellement, hein, il y en a plusieurs, même ceux que je ne vais pas citer là, il y en a plusieurs. En tout cas, toi qui sais aujourd'hui que tu travailles à l'avancement du pays, du Cameroun et de l'Afrique en général, sache que vraiment, je te remercie, Philippe Simo, que ce soit même mon associé Alain Patrice Ngaleu, Nelly Tcheko, toutes ces personnes qui de l'étranger regardent le Cameroun et ont une aspiration vraiment à faire évoluer ce pays. Je remercie toutes ces personnes vraiment pour ce que
vous travaillez activement à ce que notre pays puisse être ce qu'il est et ce qu'il deviendra demain, parce que j'ai la ferme assurance que le Cameroun est à une étape déterminante de son avenir, que ce soit politique, que ce soit économique, et que d'ici quelques temps, on va faire face ou bien on va voir le boom économique camerounais.